Simon, c'est, j'ai dit qu'aux 36 maires de France, 36 maires de communes de France, de faire honneur à la France, de faire honneur au souvenir des résistants français et d'être tous, comme la mairie de Grigny, de faire de Salah Hamouri, qui est résistant palestinien, qui est résistant démocratiquement, qui est résistant pacifique et qui est un patriote, de faire la même chose et de faire en sorte pour que tous les prisonniers et à leur tête Salah Hamouri sortent de prison israélienne. Merci beaucoup. C'est un honneur, vraiment. Je suis très très contente. Je pense à ça là, parce que je me dis que j'étais là, bon, je raconterai tout ça, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, s'il y a d'autres mairies qui prennent l'exemple sur vous, parce qu'il y a toujours un pionnier, il y a toujours des gens qui osent faire quelque chose que tout le monde a envie de faire, mais qui n'osent peut-être pas le faire. Et le fait que vous l'avez fait, j'espère que ça va donner envie aux 36 000 communes françaises de faire ce que vous avez fait aussi, parce que c'est rendre honneur à la France de défendre des résistants. Parce que c'est vrai qu'on est un pays de résistance, on est dans une région qui a connu aussi la résistance. Stéphane Hessel, qui était en conférence avec nous hier soir dans une commune des Yvelines, elle a rappelé l'histoire militante, l'histoire résistante de la France. Sauf qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on oublie quand il s'agit de... quand il y a des pressions diplomatiques et autres. Mais c'est vrai que le peuple de France, je pense qu'avec vous ici, ça nous rappelle quand même qu'effectivement, la résistance c'est un droit et c'est un devoir avant tout. Donc je ne veux pas être très longue, c'est simplement pour dire que le 15 mai ne sera jamais comme avant pour nous les Palestiniens ici en France, quand on voit qu'il y a des villes françaises qui défendent les résistants palestiniens. Et donc je vous salue pour ça et merci beaucoup. Une peine de 7 ans de prison en Israël pour délit d'intention. Délit d'intention d'attentat. Face au silence assourdissant du plus grand nombre des politiques, il faut bien le dire, et de la quasi-majorité des médias français, estimant de notre devoir en qualité de défenseurs de droits de l'homme partout dans le monde, de contribuer à la mobilisation pour obtenir la libération et le retour en Palestine de notre compatriote. La municipalité décide de déclarer Salah citoyen d'honneur de la ville de Grigny. Le conseil municipal de Grigny, à l'unanimité, et c'est important de le souligner, a pris cette décision sur proposition de la majorité municipale. C'est un acte politique fort qui fait suite à des prises de position sans équivoque de ma part et de celle de la municipalité en ce qui concerne la colonisation du peuple palestinien et dernièrement le crime de guerre redoublé d'un crime contre l'humanité que constitue l'offensive israélienne contre Gaza en ce début d'année. C'est un devoir pour Grigny, ville d'histoire et de résistance, résistance au pluriel, qui a payé un lourd tribut à l'occupation nazie, que d'être aux côtés de celles et de ceux qui résistent aujourd'hui face à l'occupant, quel qu'il soit de par le monde. Salah est une victime directe de cette occupation, comme le sont les milliers de prisonniers qui sont enfermés aujourd'hui dans les geôles israéliennes, comme le sont les 41 députés du Conseil législatif palestinien et les deux ministres du 10e gouvernement palestinien arrêtés et emprisonnés. Comme le sont, je le disais, les milliers de résistants palestiniens emprisonnés pour avoir osé défendre leur pays face à un occupant dont les moyens militaires sont surdimensionnés et dont les méthodes violent sans cesse les résolutions des Nations Unies et le droit international. Salah a été arrêté le 13 mars 2005 alors qu'il se rendait à Ramallah. Il a été amené à la prison de Moscovia à Jérusalem. Il y est resté 3 mois en isolement et en interrogatoire. Un mois après son arrestation, sa famille a appris par la presse qu'il était accusé d'avoir comploté avec 2 autres jeunes contre le rabbin Obadiah Yosef, chef spirituel du parti religieux d'extrême droite Chas, au motif qu'ils étaient passés en voiture devant le domicile de celui-ci.
À cela s'ajoute la présomption de l'appartenance de Salah à un mouvement de jeunesse réputé proche du Front populaire de libération de la Palestine, dont Salah n'a jamais été membre. Un délit d'intention a été ainsi constitué par le tribunal militaire. Salah a été ensuite transféré à la prison de Beersheba, où il est resté un an et demi. Il a ensuite été transféré au centre de Hadarim, puis à Rimon. Le 17 avril 2008, après 3 ans d'emprisonnement au cours desquels une vingtaine d'audiences ont fait l'objet de reports successifs faute de témoins ou d'éléments de preuve permettant d'établir sa culpabilité, Salah a été condamné par le tribunal militaire israélien d'Ofer, situé dans les territoires palestiniens illégalement occupés, à 7 ans de prison pour complot et appartenance aux jeunesses du FPLP. Et ce, à la suite d'une procédure de compromis. Salah a été contraint d'accepter ce compromis sur les conseils de son avocate israélienne, Mme Léa Tremel. Les termes du compromis étaient en effet, soit vous acceptez 7 ans, soit ce sera pire. Depuis, Salah a fait l'objet d'un nouveau transfert. Il se trouve à la prison de Gilboa, au nord d'Israël. Selon les termes du jugement, il sera libérable le 21 novembre 2011. Malgré un fort mouvement d'opinion, malgré toutes les démarches effectuées auprès des autorités concernées, Salah est toujours en prison. Et le silence demeure autour de sa situation. Silence rompu par son comité de soutien qui, à part quelques rares journaux, appelle à se faire entendre. A ce titre, je salue tout particulièrement mon ami, le député honoraire Jean-Claude Lefort, qui est à l'initiative de la formalisation du comité de soutien à Salah. Son aide est très précieuse car il a une excellente connaissance du peuple palestinien, du pays et des rouages politiques, citoyens et militants. Toute compétence utile pour entamer une telle bataille. Et il a également de grandes qualités de cœur qui permettent à toute action politique de garder la dimension humaine, l'écoute active et la réflexion de bon sens tellement nécessaires à ce juste combat. C'est donc pour rompre ce silence, interpeller la classe politique dans son ensemble et faire pression sur le chef de l'État afin qu'il intervienne comme il s'y était engagé lors de sa campagne électorale pour les élections présidentielles et qu'il reçoive enfin Denise Amoury que la ville de Grigny a souhaité organiser la manifestation d'aujourd'hui. Monsieur Sarkozy a reçu toutes les familles des détenus emprisonnés à l'étranger, et parfois plusieurs fois, comme c'est le cas pour le père de Gilad Shalit. Il n'a jamais reçu Denise Amoury, la maman de Salah. Cette différence de traitement scandaleuse nous interpelle et doit interpeller tous les démocrates. Si elle se poursuivait, cela voudrait dire qu'aux yeux du président de la République, il y a des citoyens de première zone et d'autres de seconde zone. Implicitement, de par son comportement, le chef de l'État affirmerait alors que les Français ne sont plus désormais égaux en droit. J'ai écrit personnellement au président de la République pour qu'il reçoive Denise Amoury. Je n'ai pas eu de réponse à ce jour et je le regrette. Votre présence, en nombre ce matin, rend plus que jamais visible le fort mouvement qui s'est opéré autour du comité de soutien à Salah. Il l'était déjà, si j'en crois, les centaines de messages de soutien que j'ai reçus au cours des dernières semaines. J'invite les élus locaux notamment à relayer l'initiative de la ville de Grigny en faisant à leur tour Salah, citoyen d'honneur de leur ville. Et je forme le vœu que ce mouvement fasse tache d'huile afin que le plus grand nombre sache dans quelles conditions notre compatriote a été arrêté et jugé. Une petite parenthèse, j'ai envoyé un communiqué de presse à l'ensemble de la presse nationale et à l'ensemble de la presse régionale. Il n'y a qu'un journal local qui a retraduit le communiqué de presse, c'est Le Progrès, qui est là aujourd'hui. L'ensemble des autres médias... L'ensemble des autres médias n'a pas relayé l'information et apparemment ne s'est pas déplacé ce matin. Ce qui vous donne aussi un aperçu de la situation de la presse en France. Il faut que la vérité se sache, qu'elle éclate pour que l'on ne puisse plus manipuler l'opinion en inversant les situations ou les rôles, et notamment entre Gilad Shalit et Salah Amoury. Le premier est franco-israélien certes, mais il est soldat de l'armée d'occupation. Il emporte l'uniforme. Cette même armée qui a commis des crimes horribles dans la bande de Gaza, et c'est en sa qualité de soldat et en tenue de soldat qu'il a été capturé. Cela ne nous amène pas pour autant à souhaiter que la situation actuelle dure, bien sûr, mais il faut remettre les choses à leur place. Le deuxième, Salah, est franco-palestinien. Il aime son pays.
Il n'a pas commis d'acte de violence, même si, comme tous les patriotes, il ne peut accepter son occupation par l'armée israélienne. Et comme la force occupante israélienne n'a rien pu trouver à lui reprocher après l'avoir capturé, elle a, comme je vous le disais tout à l'heure, créé le délit d'intention, et c'est à ce titre qu'il a été jugé par un tribunal militaire d'occupation et condamné. L'opération du soldat Gilad Shalit, comme le fait le gouvernement de la France, le faire citoyen d'honneur de la ville de Paris, et dans le même temps refuser de demander la libération de Salah Hamouri, et s'outrager, comme l'ont fait certains, qu'il soit fait citoyen d'honneur de la ville de Grigny, est une situation pour le moins scandaleuse et qui n'honore pas ceux qui tentent de faire l'amalgame. Il y aurait tant à dire sur la situation en Palestine occupée que j'aurais pu développer bien sûr, mais j'ai préféré aujourd'hui concentrer mon propos sur Salah et sur sa libération nécessaire, je dirais même obligatoire. J'ai l'honneur de faire Salah Hamouri citoyen d'honneur de la ville de Grigny. Cet acte symbolique fort s'accompagne d'un engagement de la municipalité à œuvrer aux côtés du comité de soutien et de toutes les associations qui soutiennent la démarche, d'œuvrer en permanence pour que Salah soit libéré dans les meilleurs délais. Et permettez-moi pour conclure de saluer votre courage, madame, votre opiniâtreté, votre dévouement à la cause de Salah, votre fils, qui est désormais un peu le nôtre. Je vais prendre les... Ah, vas-y. Ah, je suis pas là. Ouais, je vais prendre les...